Fille d'un homme politique espagnol, Pauline Talence Perry, née en 1937 à Almeria, est adoptée par son oncle Gabriel Perry. Arrivée en France apatride à 2 ans, elle est internée avec sa mère, sa tante Mathilde et sa grand-mère au camp de femmes de Rio Cruz, en Lozère. Son adoption sera officialisée en 1967, lorsque la loi permit aux Français et aux Françaises d'adopter des enfants étrangers. Sa tante Mathilde, première femme vice-présidente de l'Assemblée nationale après la Seconde Guerre mondiale, lui sauve la vie en lui donnant son nom Perry. Elle présente dans le livre Les rendez-vous du hasard son parcours hors du commun, tel la coquille de noix sur l'océan de la vie et de l'histoire avec un grand H. T'étais la dernière, mais t'avais une image, les gens te considéraient d'une façon différente parce que tu étais l'enfant du martyr. Mais t'étais pas toi-même, t'es jamais toi-même quand tu es l'enfant de quelque chose. Tu portes un nom, tu portes un vêtement qui n'est pas toi. Je fais un devoir de mémoire pour ma mère avec ce livre parce que ma mère a sauvé le camp. C'est-à-dire, ma mère était photographe, elle faisait beaucoup de reportages de photos. Donc, à l'intérieur du camp, elle a monté sous un escalier un atelier de développement. Et elle a fait des photos. Ce qui a permis à toutes les femmes du camp d'être photographiées et maintenant, 50 ans après, de se reconnaître la grand-mère qui était prise au camp, qui était photographiée. J'étais la seule petite au camp. Donc, on me prenait en photo. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue la vedette. Et j'ai une photo de moi qui est passée aux États-Unis pour chercher des marraines parce qu'il fallait. On s'est servi de moi, encore une fois. Alors, ça, c'était à 3 ans. Et après la guerre, je suis devenue la fille adoptive de Gabriel. D'un côté, j'ai toujours l'impression, et ça c'est dramatique pour un être humain, que ma mère m'avait abandonnée. Elle m'a laissée dans les mains de sa sœur. Mathilde, qui n'avait jamais eu d'enfant, qui était l'enfant symbolique qu'elle aurait eu à voir avec Gabriel, elle m'a vampirisée. Mais en même temps, Mathilde, compte tenu de sa position sociale de députée, sénateur et tout, elle me promenait partout. Mais quand elle me promenait partout, elle officialisait que j'étais la fille adoptive. Oh, on a fait rentrer chez nous la fille de Gabriel Perry. Ah ben, il m'a sauvé la vie, il m'a donné son nom. C'était mon tonton et c'était mon père adoptif. Mais je ne les ai pas connus puisqu'ils sont tous morts quand j'ai eu 4 ans. À 4 ans, je me suis retrouvée avec 2 pères, tous les 2 tués, foutus dans les fosses communes, et je n'ai dit papa que dans un rêve à 45 ans, dans un cauchemar. Ben, le livre, c'est un témoignage de ma vie, qui est une vie mouvementée, mais qui est riche. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Parce que dans la vie, je me suis aperçue, et il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qu'on te met toujours sur ton chemin des choses pour avancer. Tu ne rencontres pas les gens par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le fil rouge de ma vie, la force du nom de Gabriel Perry, parce qu'après la guerre, c'était un symbole extraordinaire d'un martyr qui avait été tué par les Allemands. Mais la vie m'avait mis ça sur mon destin, pour me faire réagir. Il n'y a pas de hasard.